J'ai commencé le basket à l'âge de 10 ans. Ma première licence s'est faite au Stade Français, où je suis resté jusqu'en minime France. Par la suite, j'ai intégré le Pôle Espoir Île-de-France à Châtenay-Malabry. Voilà, j'y suis resté une année. Par la suite, j'ai fait des sélections pour entrer à l'INSEP, que j'ai intégré. J'ai passé 3 années à l'INSEP. En sortant de l'INSEP, je suis parti à Chalon-sur-Saône, en centre de formation. J'y ai passé encore une année. Par la suite, je suis revenu en région parisienne, à Nanterre. J'y ai passé 2 saisons en espoir. Après Nanterre, j'ai intégré la Nationale 2 à Marmande, dans le sud-ouest. Et voilà, je suis arrivé à l'URB cette année. Mon meilleur souvenir, je pense que c'est mes 3 années à l'INSEP. D'ailleurs, j'en suis sûr. J'ai rencontré des super gars, on a loué des liens très forts. Et voilà, ça dure dans le temps. Encore aujourd'hui, je parle encore avec tout le monde. Et voilà, c'est super. Un coach qui m'a marqué, ouais, je dirais Laurent Mopsus, mon coach de l'an passé à Marmande. Autant au point de vue humain que basket, il m'a appris beaucoup de choses sur moi-même. Et ouais, voilà, j'ai beaucoup appris au niveau du basket aussi. Mon joueur préféré, ouais, Kevin Durant. Okay. Pour sa faculté à être bon dans tous les domaines, surtout au niveau du scoring en attaque, je trouve qu'il excelle. L'adversaire qui m'a marqué, je dirais Jonas Valanciunas, lors de mon championnat d'Europe U16. Ouais, je trouvais qu'il était déjà au-dessus dans notre catégorie. À 16 ans, il avait déjà cette faculté avec une vision du jeu en attaque. Je trouvais qu'il était au-dessus. Voilà. Un move en particulier, j'aime bien prendre ces petits shoots à 0 degré, à mi-distance, et ouais, finir des contre-attaques avec des gros dunks. Mon surnom c'est John, Joe, et pour les intimes c'est plutôt Rajouk, il y en a qui se reconnaîtront. Mes occupations en basket, mes passions, ce serait plutôt écouter de la musique, sortir, me balader avec des amis, manger de la bonne bouffe comme on dit, des bons restos. Voilà. Mon rituel d'avant-match il est simple, j'aime bien être au calme chez moi, avant d'aller au match, prendre une bonne douche, ça me réveille, et écouter du bon son. Mes artistes préférés, ma musique préférée, c'est plutôt un style de musique préférée. J'aime bien le rap, français, rap américain. Deux noms particuliers, Booba, Caris, Gradure. Après, des artistes américains, il y en a trop. Donc si j'avais des conseils à donner aux jeunes basketteurs, ce que je pourrais leur conseiller, c'était de persévérer, prendre du plaisir avant tout. Et s'ils ont des objectifs, de ne rien lâcher, voilà, de tout donner. Pour les fans de l'URB, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a besoin de vous. Venez nombreux à tous les matchs et que votre soutien est très important. Voilà. On va essayer de faire une grosse saison et vous procurer le maximum de plaisir.